YouTube, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on est toujours à Celestia. Et on doit trouver la grand-mère de Cynthia. Qui habite pas là. Pour lui livrer un petit colis, parce qu'on a que ça à foutre visiblement. Bienvenue. Au revoir. D'où viens-tu? Bonne augure. Oh. Bon, c'est pas l'appareil de nouveau de Pokémon légendaire, toi. Non, toujours pas. Et bien, en fait, si, c'est bien elle, mais en fait, on peut pas lui filer le gris-gris pour le moment. Il faut s'occuper du gars de la Team Galaxy. Bon, bah écoutez. Bonjour. Oh, cette ville est insignifiante! Il n'y a rien d'intéressant ici! Et puisque cet endroit n'a aucune raison d'être, je vais le pulvériser avec une bombe galactique! Si tu tentes de t'interposer, je t'écraserai avec mes Pokémon! Alors, qu'en dis-tu? Bah, oui, je vais te casser la gueule! C'est comme de tuer le monde! Non, l'univers! Ouais, bien sûr. On va voir ça. Allez! À nous deux. Voilà. Si Mia base monte au niveau 37, Luxray monte au niveau 37. Non, on va pas changer. Le one shot, j'ai 10 niveaux de plus si je le one shot pas avec une roue de feu, vraiment. Je me suis fait battre par une demi-portion, la honte! C'est trop forte pour moi. Bon, tant pis, j'abandonne. Je ne vais pas perdre plus de temps dans un endroit qui n'en vaut pas la peine. Oh, leur déplacement. Alors ça, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi, jeune dresseuse. Tu as un vrai talent dans le combat. En tant que doyenne de Celestia, je tiens à te remercier. Oh! Ce Grégory, puis-je le voir, mon enfant? Ah, ça perd l'hypopète! Tu dis que c'est ma petite fille Cynthia qui t'a demandé de me l'apporter! Il y a très très longtemps, des Grégory comme celui-ci ont été fabriqués ici, à Celestia, en l'honneur d'une déité qui aurait créé Sinnoh. On en découvre encore parfois aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Celestia. Maintenant que tu es là, tu devrais au moins en profiter pour visiter les ruines. Allons-y! Vous examinez le mur. Il est recouvert de motifs mystérieux. Trois éléments étranges forment un triangle. Quelque chose brille en son centre. Qu'est-ce que cela signifie? Tu te demandes ce que cette peinture représente? Il y a bien longtemps, il existait des êtres. Des êtres dotés de pouvoirs si puissants qu'on les considérait comme des déités. Trois autres Pokémon existaient également, comme pour contrebalancer leur pouvoir. Ces trois Pokémon forment une sorte de triangle garant de l'équilibre. C'est ce que disent une vieille légende de Sinnoh que l'on raconte encore à Celestia. Au fait, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être utile. Je vais t'en faire cadeau. Cela appartenait à ma petite fille, mais elle n'en a plus l'utilité. Surf! Intéressant. D'ailleurs, ma petite fille m'a raconté quelque chose à ce propos. Qu'a-t-elle dit, Tisha? Ah oui. Si tu utilises Surf avec ta Pokémon, tu pourras te déplacer sur la mer et les rivières. Mais pour cela, tu dois d'abord obtenir le badge d'Union Police. Et là, par contre, je ne peux pas t'aider. Vraiment. Gauche-droite. Pour se déplacer, putain. Et... C'est dommage, hein. Franchement, ça sort du truc, hein. Ouais. Mais bon, la musique qui va absolument pas avec le perso, évidemment. On dirait qu'un combat futile a eu lieu ici.
Tout le monde devrait prendre du recul et voir les choses sous un autre angle. Un angle cosmique. Mon nom est Helio. Je cherche le pouvoir de créer un monde nouveau. Un monde sans conflit. Mais ce n'est pas ici que je le trouverai. Nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Au Mont Couronné. Préviens-moi si tu découvres un pouvoir attaché aux légendes de Sinnoh. J'en ai besoin pour créer un nouveau monde. Non, ça ira, franchement. Je garderai pour moi. Mais c'est gentil, merci. Bon. Petite île des Pokémon vite fait. Et puis après, on va à l'Union Police, puisque visiblement, c'est notre prochaine destination. On va essayer d'obtenir notre cinquième badge. Bon, et puis après ce badge, on essaiera peut-être, de continuer notre équipe. Bah, t'es Chimera, la reine d'Union Police. Hop. En avant. Alors, elle est où la reine ici? Je me souviens plus. Je crois que je suis passé à côté. Non, elle est là. Reine de la danse, déesse du rythme. On va voir ça. Ta, ta, la, la. Et hop, ascenseur. Question 3. Plus 5, plus 7. Ça fait 15. Ils sont durs leurs questions. 12 plus 28. Ça fait 40. Je me rappelais plus de cette arène. C'est nul comme preuve. 3 x 13. Ça fait 39. Elle a combien? Oh, les bâtards! 15. Quelle était la bonne réponse de la salle 1? Oh, les bâtards. Bah, salut! Oh oh! Enfin te voilà, darling! Je sais, j'ai appris beaucoup de choses depuis que tu es arrivé dans cette région. Quand j'ai vu qu'ils faisaient des concours ici, je me suis dit, merveilleux, je vais gagner! C'est pourquoi j'ai choisi ce look, phrase paillette de show business! J'ai étudié les Pokémon, c'est comme ça que je suis devenue championne ici. Enfin bref, je suppose que tu es là pour le challenge. Je te préviens, c'est moi qui crierai victory, car je suis la championne. On va voir ça. Fight! Un gros drive, bien. Bon, j'aurais dû mettre Luxray du coup. Level combien? Même pas 30, j'imagine. 32, ah! On commence à discuter un petit peu, bon. Est-ce que bêtement on spamme les points boost? Oh, on va faire ça, je pense. Ah, ça n'affecte pas le gros drive. C'est dommage. On va changer. Je sais plus quel est le passif de Luxray. Ah. Ouais, j'aurais dû faire ça depuis le début. Hyper potion, bien sûr.
Bon, je préfère qu'elle le claque sur son gros drive. Pour le moment, c'est ok. Morsure. Nice. Et puis remorsure, hein, évidemment. Vol force, aïe. J'aimerais bien pouvoir la tuer quand même sur cette attaque. Ah non, ce sera pas le cas. Ah, le problème c'est que comme j'ai moins d'attaque. Ça va être chiant tout ça. Ouais, ça va être chiant tout ça. Tous les deux, il lui extrait un coup. S'il reprend une grosse attaque, ça va faire tomber. Bon. On va refaire morsure, je suis pas sûr que j'arrive à la finir. C'est que si je descends trop là, gros drive va exploser à la fin, je crois. Oh la vache, j'arrive pas à la finir. Hein. Bon, elle a claqué ses deux hyper potions. Au moins, moi je claque aussi les miennes donc. Maintenant, ouais, c'est un tank parce qu'avec avec une hyper potion, elle l'a pas mis full vie. Avec ses châtiments. Oh la vache. Le problème c'est que si je me heal pas maintenant, après elle va me refaire un châtiment et le gros drift va exploser. Donc je vais perdre mon Luxray. Je suis obligé de re-heal le Luxray une fois. Normalement, je vais plus avoir d'attaque du tout, hein. On va faire ça. Ouais. Oh, j'aurais dû faire ça depuis le début. Je suis bête, mais bête. Allez, Simiravaz pourra tanker l'explosion. Non, mais je suis bête, je suis stupide. Je suis stupide, j'ai aucun QI, j'ai zéro. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Il y avait de l'idée. Mais deux secondes, pas plus. Oh là là, mais je suis bête, mais bête. Oh là là là. Bon, normalement, elle me tue pas Luxray avec vol. Oh là là, mais je suis stupide, je suis bête, mais bête. Oh. Mode speed, bah ouais. Bon. Ça me fait pas perdre de la vie. Et là, je suis sûr de la tuer avec. Ah, quoi. Pas du tout en fait, mais pas du tout. Oh. Mais pas du tout. Bien sûr que non. Oh là là. Châtiment, ouais, bah à la limite, tant pis. Hein. Je pense que Luxray y passe là, malheureusement. Que le passif de gros drift fait que voilà, non c'est bon, j'y passe pas, je pensais que ça allait faire plus mal que ça, mais voilà, gros drift explose à la fin et bon, ce fut interminable, mais genre vraiment interminable. Je vais probablement pas loot speed, donc on va encore se heal une fois. Mais là, le risque, c'est qu'il me one-shot. Ouais. On va celui-là encore.
J'attends qu'il fasse une attaque passive. Oh. Encore une fois, hein. Tant pis. Hein. T'as pas le choix. Hein. Le problème c'est que je vais pas plus vite que lui, c'est sûr et certain. Un Luxray va pas plus vite qu'un Exoplasma. Donc voilà, je tente. J'ai pas le choix. Ouais, ouais. Pff, normal. C'est sûr. C'était sûr et certain. Ah. Ah, pion, mais il est en dessous, il est en dessous en termes de level. Oh, ça va me le mettre confus. Oh non, non. S'il te plaît, Rapion. Putain. Ça devrait pas faire trop mal. Quoi? Ah ouais, non, mais là, s'il te plaît. Merci. Oh, ça fait rien du tout. Tant pis. De toute façon, voilà, il va me la finir. Alors là, pour le coup, je sais pas trop ce que je peux faire là. Au groupie. Aïe. Super. Ah non, mais je suis bête. La cage. Elle va me mettre confus aussi. Putain, mais c'est pas vrai. Supportable. S'il te plaît. Merci. Non, c'est normal, c'est... Mais oui, mais c'est type normal, c'est logique. Oh, mais je suis teubé. Let's go. S'il te plaît. Merci. Ok, suivant. Ouf. C'est laborieux. En fait, ils me font pas si mal. C'est juste que j'ai pas de bonnes attaques contre eux. Totosaur niveau 34, Roselia 36. Magie rêve. Alors là, par contre... Et les... ouais, Simiabras, et puis on va essayer de spam les roues de feu. Oh dear, c'est déjà mon last Pokémon. Ouais. Ouais, mais il va me faire chier, je pense, ton magie rêve. Ça donne quoi, cette petite arène? Ça donne que c'est archi laborieux, c'est terrible. C'est... ok. On de folie, ouais, mais... elle va me mettre confus tout le monde, quoi. L'enfer, le cauchemar, encore une fois. Bon. Mon raisonnement, c'était de sortir Simiabras au lieu de Roselia, par exemple. Parce que Simiabras, lui, a moins de chances de se faire laver la tronche par une attaque feu de Magirev. Parce que de mémoire, Magirev peut avoir des attaques feu. Aïe. Coup critique en plus. N'allons pas abandonner, never. Ouais, bon, en attendant, t'as plus d'hyper potion. Donc si celle-là elle passe, t'es mort. Hein. C'est dommage. Hein. Allez. Bonne soirée à tous. Suivant. Ta puissance est sans égal. You win. Merci.
Amazing, je n'en reviens pas. Tes Pokémon et toi, vous êtes vraiment très forts, Darling. Tu as bien mérité ce badge, well done. Cinquième, ouais. Ta 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 la. Yeah. Impeccable. Permet d'utiliser surf. On récupère les sauts, blablabla. Griffe ombre. Allez. Y'a pas de. Je vais tout refaire à l'envers. Bon, très bien. Bon, ça s'est pas trop mal passé, c'est bien. C'était long, mais pas trop compliqué. En soi, voilà, c'est juste parce que j'avais pas d'attaque et que son ectoplasma, notamment, régénérait tout le temps. Il était trop chiant. Qu'elle a heal son redrift deux fois, qu'elle a régénéré aussi. Bref. Mais sinon, ça allait. S'en est pas trop mal sorti, je trouve. Ça aurait pu être pire. Hop. Ah, je suis contente de te voir. Cela fait un moment que je t'ai cherché. Ma grand-mère m'a raconté ce qui s'est passé à Celestia. Je voulais te remercier pour ton intervention dans les ruines. Il n'empêche que la Team Galaxy commence à causer de nombreux soucis. À l'origine, je les trouvais juste excentriques avec leur projet de créer un nouvel univers. Et leurs costumes étranges me semblaient inoffensifs. Mais visiblement, je me suis trompé. Ils agissent comme si le monde entier leur appartenait. C'est complètement insensé. Au fait, qu'as-tu pensé des ruines? Tu les as trouvées intéressantes? Si tu les as trouvées intéressantes, tu devrais visiter la boutique de Jolie Verge. On y trouve des vieux livres qui pourraient t'intéresser. Cela pourrait également t'aider à compléter ton Pokédex. Je te conseille vivement d'y aller. Sur ce, à la prochaine fois. Alors par contre, on en parle ou pas des musiques qui n'ont absolument jamais aucun rapport avec les actions de l'histoire? Genre la musique toute joyeuse quand on a rencontré Helios après les ruines. Ouais, il se passe un truc bizarre. Après les ruines, enfin, y'a rien qui va dans les musiques hein, dans ce jeu. C'est... Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais... Bah nimp, hein, du coup. N'importe quoi, hein. Bon. L'équipe avance, pas du tout, c'est la même. J'ai viré le petit ravi du coup parce que bon. Hein, super. Mais bon, en soi, ouais, est-ce que je garderais pas ceux-là? Ils sont pas si mal en vrai. Tritosaur, comme je disais tout à l'heure, est plutôt cool parce que bah face aux Pokémon de type électrique, vachement pratique. Allez à Jolie Berge. C'est où Jolie Berge? Là-bas, l'autre côté. On va partir à Félicité du coup. Hop là. Putain, mais l'animation qui cut, qui s'arrête avant même la fin du fond du haut noir, c'est. Il se passe des trucs sur ce jeu. Raté. Là. Hop. Merci. Route 218. Salut. Ça c'est pas toi, Esper, qui me parlait de la route 218 tout à l'heure. Ah non, 228. Pas de chance. Salut. Ah oui, non mais... Hop là. Putain, je fais surf sur un... Oh, au secours. Hop. Salut. Baby Manta. Mouais. Bon, on va giga sans... Non, j'ai essayé de faire une vanne, mais c'est trop... C'est glace. On va giga sans su tout ça. Hop. Alors, ça dit pas me toucher pourtant.
Vous avez déjà fait attention que les yeux de Baby Manta, c'était des yeux qui étaient disponibles dans l'outil de création d'Amy. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Voilà. Coup critique, super. Je viens de reprendre les 3 PV que j'ai perdu. Il y a combien de Pokémon ? Simiabras de level 38. Léviator noir. On va garder Roselia, c'est très bien. Point. Oh, seulement, putain. Il est nul, Roselia. Il serait temps de la faire évoluer, hein. Ouais. Je pense que... Oh, j'ai mis un grand coup de tibia dans le bureau. Ça fait pas du bien, je peux pas mentir. C'est... Oh la vache. Une grosse défense P, ouais. Malheureusement, ma Roselia a une grosse attaque P, donc ça me servira à rien d'avoir... Darnué. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fous avec Darnué, moi? Ouais, ça c'est clairement le genre de dilemme qui me rend dubitatif. Parce que c'est que 25, hein. Piqûre reste mieux, en vrai, hein. D'accord. On est d'accord. Herapion, il évolue quand? Pas maintenant. Très bien. Oui? Lanou, ça faisait longtemps! Ah ah, t'en fais une tête! Tu demandes sûrement qui suis? Oui, effectivement, étant donné que tu connais mon prénom, plus de ça, donc c'est terriblement flippant. J'assiste le professeur Sorbier! Ah, tu connais Luca, non? Eh bien, je suis son père. D'accord. Le professeur m'a demandé d'améliorer ton Pokédex. J'ai donc choisi cet endroit, car je me doutais que tu passerais par là. 40. Pourrais-tu me prêter ton Pokédex un instant? Oui. Hein? On peut déjà afficher les images des Pokémon mâles et femelles. Mais un peu pratique qu'avant. Ouais. Super. Sur la Team Galaxy, le professeur est inquiet à propos de ce qui s'est passé à Félicité. Enfin, c'est probablement rien. Sur ce, je te laisse. Oui, alors Oh, c'est probablement rien. Ça, c'est jamais rien, ok? Quand quelqu'un vous dit ça, non. C'est tout sauf rien, en fait. Il y a un centre Pokémon ici? Oui. Je me rappelle d'ici. Non! Mon stick! Non, c'est moi. Là, pour le coup, je pense que c'est moi qui ai mis. Point. Oh, attendez. Alors, on va faire aussi un petit passage au shop Pokémon. Je sais plus comment ça s'appelle. À la boutique. Mais avant. Écoutez-moi cette masterclass musicale. S'il vous plaît. Miel pour les oreilles, c'est du miel, c'est délicieux. D'accord, bon. Exceptionnel, merci, voilà, merci, des gens de bon goût là dans le chat, ça fait plaisir. Les gens qui ont du goût, non, mais incroyable, ça c'est vraiment. Bonjour, prendre des hyperboules, j'en ai même pas. Non, mais pas une seule, non, mais c'est trop chiant la TH dans ce jeu. Merci. Et maintenant, il me faut alors des potions. Ouais, on va prendre des super potions. Bah yes. Ça tombe jamais au bon moment, ces alertes, ça me fait rire. Merci, Yotazi. Pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien. Bonjour à tous. Métamorphe étranger.
6 IV. Alors moi personnellement non. Mais peut-être que si tu vas sur le Discord du... Le Discord, tu trouveras peut-être quelqu'un qui en a. On sait jamais. Non, pas un seul, putain. Ouais, c'est une petite dizaine. Et puis ouais, un réveil ou deux. Une petite brûlure, on peut reprendre deux. Oh, c'est tellement chiant. Tu sais pas quand est-ce qu'il faut mettre appuyer sur B ou pas. C'est fou, la vache. Pour aller vite, c'est pas... Bah exactement, avec le lien qui emmène vers le Discord, tu trouveras peut-être des gens là-dessus. Qui en ont. En route 216, quel masterclass musical. Jolie berge, la ville qui brille au bord de l'eau. Il y a un bouchon quand même, hein. Bref. Et bien sur ce, allons-y, visiter Jolie berge, ouais, donc... Qu'est-ce que tu fous là encore, toi? Tu connais les champions du coin, pas vrai? Hein, pas vrai? Quelqu'un devrait évaluer ta force, KO, hein, t'as pas niveau, hein, c'est jamais, hein. Mais qui donc? Ah bah pourquoi pas moi? Allez, en avant! Bon, Vesper. Ah merde, j'ai Rosalie en première place. Tant pis. Super. Bah tu vas te calmer par exemple, tiens, tu vois. Je trouve que tu voles trop vite. Tu fais trop de vent, machin, donc. On se calme, tranquillement, voilà. Tout va bien se passer. Bah ouais. Pourquoi il serait paralysé après tout? Hein? Non mais je sais pas. Y a aucune raison pour laquelle il serait paralysé. Pour laquelle il serait paralysé. Moi franchement y a rien qui... Impossible. Ah bah tiens. Il est paralysé, c'est bizarre. Allez. Suivant. J'aime bien ce bouton. Je le sauvegarderai pour la prochaine fois. Scarino, oui, on va changer évidemment. Voilà. Vous avez déjà mangé des insectes grillés? Non? Non, parce que c'est le futur en vrai. Hein. C'est moi non plus. Bah écoute, on va faire ça ensemble pour la première fois. Et si, regardez, attendez, ça allait très vite. N'inquiétez pas. Attendez, on va repasser un coup au four pour que ça soit bien grillé, vous inquiétez pas. Hop là. On va la goûter. Suivant. Un plouf. Bah alors? On a toujours un plouf? C'est dommage quand même. Ah, je pense qu'il y en a un de nous deux qui est un peu plus en retard que l'autre. Je sais pas. Je dis ça comme ça. Ah, désolé, prends un plouf. Hein. Ça fait deux fois quand même que je te détruis comme ça aussi vite, mais... Je l'ai pas one shot. Incroyable. On m'a craché dessus. Ça va trop vite entre nous pour que tu me craches dessus à la figure aussi vite. C'est trop rapide. Prenons d'abord un verre ensemble. Rosie à 37, Trésor 35. Bonita. Changeons. Hop là. Ah gros, j'ai peur, oh là là. Je suis terrifié. Prêt. Suivant. Ça
Ah, tu me copies pas trop avec mes Pokémon là encore? Non mais où? On va voir si ta Roselia est aussi efficace que la mienne. Bizarrement, j'ai un doute. Et... Hop! Suivant! Hop, level up pour Luxray. Ah bah c'est fini! C'est bizarre! Non, mais c'est quoi ce délire? J'ai perdu encore! Mais non, c'est pas possible! C'est pas possible! Comme toujours, t'as un peu d'avance, j'ai tout, tu peux hein, tu triches aussi. Tu sais, qui va défier les Pokémon et devenir un nouveau maître? Hein, non, bah c'est moi, personne d'autre, hein, chier. Enfin bref, allez, salut. Maintenant, t'es en mesure d'affronter les champions de l'arène. Allez, dépêche-toi, et ciao. Bah alors, on mange son seum? On mange son seum avec des petites olives, là. En apéro, là, miam miam. Allez. 36 minutes d'épisode, est-ce qu'on aurait pas le temps de faire l'arène? Mais totalement, madame, monsieur, madame, effectivement. Allez, faisons ça. Enfin, si on me laisse la faire, si on me laisse la faire maintenant. Battez le champion, oui, complètement. Allez, c'est parti. J'ai aucun souvenir du type de champion. Charles, au corps d'acier. Ah, oh, ça devrait le faire. Je sais pas pourquoi. Bon. Le truc qui me dit que ça devrait bien se passer. Oh fuck, je confonds peut-être et là ça me ferait suer. Attendez. Ah non, j'ai rien. Mais non, mais combat, j'ai déjà battu. Attendez. Mais non, mais il va être acier, lui. Pourquoi c'est des karatékas? C'est des karatékas qui vont utiliser des boulons. Ils vont me jeter des boulons à la figure. Acier. Non, contre acier, feu, sol et combat. Ouais, ok. Non, mais oui, je pensais que c'était... j'avais un doute si c'était combat. Mais non, combat, je l'ai déjà battu, en fait. Bon, bah écoute, Steelix, je suis désolé, hein, mais... Ah, il est rush aussi. J'aurais pas dû faire ça. Ah. Voilà. Le champion d'arène, j'ai juste envie de spammer les points boost, mais 100% du temps. J'ai envie de faire que ça. L'insolence me prend là d'un coup. Ça va être. Va pas super, ouais. Ouais. Ouais, si bien voir ce level 39, c'est bien. Ah ouais, je vais spam les points boost, c'est sûr. Je sens l'insolence monter en moi. Je le sens. Ça va se passer comme ça, vous allez voir. Alors, on va tous les faire, histoire d'être safe. Jackie l'ouvrier. Ah, Onyx, bon bah écoute. Ouais, le Onyx. Ah. Bon, après cet épisode, je couperai. Je ferai une pause. Enfin, je ferai une pause. Je m'arrêterai en fait, j'arrêterai le stream aujourd'hui. Pour aujourd'hui. En présaille. Oui, bon écoute. Si tu veux m'enlever 3 PV, tu peux, mais. Ça va être long pour toi. Hein. Et voilà. Alors, Rapion, level 31. Un point boost ou deux into spam de close combat et tout le monde meurt. Ouais, mais close combat, ça baisse mes attaques. J'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Non, close combat est très bien. J'aime beaucoup close combat. Mais le fait que ça baisse après, bon, c'est... Ah, on tombe pas là, ok. Hop, bonjour. Salut. Bah yes. Bah yes.
Merci Kinzu. Kenzu TV, pardon. Kenzo, Kenzu, je ne sais pas. Dites-moi comment ça se prononce. Pour le follow, bienvenue sur la chaîne, merci beaucoup. Rapion, vraiment? Bah écoute, oui, on va pas se faire suer. Hein, Oh, ils sont des rapions ici. Oh, les pauvres. Pas de chance. Tu vas le shot là, ça tu prends rien. Ouais, mais bon. Un Steelix. Non, non, mais on va pas changer. On va pas changer. C'est ton combienième Pokémon ça? Deuxième? Allez. Parce que j'aime bien le beau jeu. Mais ça one shot même pas! Mais ça me. Oh, c'est honteux! C'est honteux! Ça me dégoûte. Choqué. Choqué, déçu. Signe à bras, ça va falloir. Je sais pas, retravailler les bras hein, encore un peu, hein, parce que là. Non, non, c'est pas possible, j'ai perdu. Bah si. J'ai. Comme on dit. Hop! Je me rappelle d'un ascenseur qui t'emmène pile devant un mec ici. Ou alors c'est pas dans cette arène, mais c'est dans une arène avec des dresseurs, je me rappelle. Oh, super. Je crois que c'est là-bas. Layo. C'est pas un prénom ça. Pardon, mais c'est pas un prénom. MacPunch, oh, 10 levels, ça va suffire. Non, ça suffira pas. Ça fait pas assez de dégâts, MacPunch. Bah alors? Bah alors? Allez hop, dégage. Hop. Un Onix, non, on va pas changer. On va pas changer. MacPunch, c'est combien? 40? Les points boost, c'est 40, ok. L'avantage, c'est que ça augmente l'attaque. Esquive. Non, mais bon. C'est tout comme. Ça va. Histoire de finir. Et de plus en parler, voilà. Impeccable. Hop. Salut. On devrait pas être très loin là. Pas très loin du champion à mon avis. Un Onix, encore. Comme par hasard. Non, je vais pas commencer. Je vais pas commencer comme Fury. C'est possible. Bah écoute, on va continuer hein. MacPunch deux fois et puis voilà. Hein. Ah, est-ce que je vais le laisser à 1 PV après? Non. C'est dommage quand même. Ah ouais, je l'avais call je crois. Oh là là. Ok, donc level 30. À partir du level 30, faut que je commence avec un point boost. Into MacPunch. Aïe. Oh le relou. C'est pas son seul Pokémon en plus je crois. Roselia level 38. Aïe. Un Steelix. Oui on va changer parce que Simiabros j'ai pas envie qu'il meure. Croupi là. Ah bah bah bah.
J'aime bien, c'est efficace. Ça me plaît. 14h36. On va pouvoir heal notre Simiabras. Ouais, puis je pense qu'on va pas être très loin du champion d'arène là. Non. Allez, on voit pas sur quel Pokémon. Quel Pokémon on a sélectionné, on voit mal en tout cas je trouve. Ça c'est celui de droite là. Hop. Tac. Raté. Pas du tout là. Contrairement à Chimera où là tu sais compter contrairement à chez Chimera où si tu as passé la classe de CP tu peux tomber sur personne, tu vas directement à la championne. Là bah t'es obligé de te taper 15 000 Ah oh, c'est un Azumarill, au secours. Là tu peux te taper 15 000 personnes avant. C'est. Ah ouais, ça va faire mal ça par contre. D'où il me sort un Azumarill lui On est où là? N'importe quoi. J'aimerais bien me mettre full vie avec l'attaque que je vais lui faire hein, si possible. Mais j'y crois pas. Ah si. Il y a deux ans aussi t'avais un Tryptosaur. Mais oui, parce que c'est ce qu'on trouve facilement et que j'ai pas envie d'aller de chercher ailleurs trop longtemps. C'est. Bien sûr. 40 pour Simiabras. Oui, ça m'étonne pas, Fufu. Hein. Ça me tente pas du tout. C'est... Et puis j'avais aussi un Karchakrok, je crois, il y a deux ans. Je crois qu'on y est. Ah ouais, le seul Pokémon dans le cas ? Ok. Et hop ! Salut ! Caméra, y a... on dirait que c'est un stagiaire qui a fait les cams, c'est terrible. Ah, c'est le badge de Charbourg. Je vois, tu as vaincu mon fils, Pyrrhic. Enfin, ce n'est pas étonnant, il y a encore beaucoup à apprendre, ce petit con. Il est vraiment débile en plus de ça. Heureusement que je l'ai pas reconnu. Moi, Charles, je saurais être un adversaire à ta hauteur, contrairement à lui. Oh, c'est un peu violent, monsieur. Fight! 3 Pokémon, ok. Ouais, c'est pas loin de stagiaire. Ouais, non, mais. Enfin, c'est. Je suis désolé, mais. Il y a beaucoup. Ok. Le jeu peut ne pas être aussi moche que certains le disent. Il y a quand même. Enfin, il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Ça, c'est indéniable. Indéniable et c'est flagrant. Enfin. Oh, je suis chier que ça tombe de sable, elle. C'est relou, ça. Non mais t'as quel âge? Archéomir, oui, enfin Archéomir c'est pas, oui, Pokémon n'est pas sexué, c'est vrai. Hyper potion sur un Archéomir, vraiment? Bah écoute, moi franchement, si tu veux, hein. Stylix. Oh non, on va continuer avec ça. Ah, quoi que j'aurais pu envoyer Tryptosaur. Le problème, c'est que. Ouais. J'aurais dû switch. J'ai spam bêtement. Ouais, mais séisme. Je sais plus quel autre champion m'avait fait un séisme à un moment.
C'est pareil, cette attaque, on voit les blocs de texture dans le fond de l'écran, enfin c'est... C'est terrible, quoi. Franchement... Level up sur Rapion, level up sur Luxray, de booster avant sur Archéomir puis détruire Célix. Oui aussi, ouais, c'est vrai. Mais je pensais vraiment one-shot Archéomir la première fois avec un... Avec un route-feu, mais... Bon. Bon, ça ira bien, y'a pas de soucis. Quoi? Mon dernier Pokémon? Ah, dans ce cas, je vais tout donner! Alors... Encore plus que tout, essaye, parce que vraiment, ça, tout, ça suffira pas. Hein. Bouffe sa noix, l'autre. Pas de chance. C'est l'attaque spé. Aïe. Alors ça par contre... Ah non, je crois qu'on fait autre chose. Ça va. Encore terminé. Oui, bon, il te reste une hyper potion, c'est vrai, mais si tu la claques maintenant, ce serait dommage. On souffle. On souffle, on soupire là. Oh, sérieux? Non, mais non, mais non, par pitié. Aïe. Oui, c'est à chier. Ouais, mais on. Allez, oh. Mon écran! Merci. Allez! Bonne soirée à tous! Suivant! Oh, oh! Suivant! Cryptozoar, level 37! Non! Mes Pokémon étaient pourtant si bien entraînés! En fait, je pue autant que mon fils! Même ma redoutable équipe de Pokémon n'a pas fait le poids face à ton talent! Mais en reconnaissance de ta puissance, je te remets le badge mine! Ouais. Ce badge te permet d'utiliser la capacité secrète Force via ta Pokémontre. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que tous les Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. Tiens, prends également ceci. Les sauts, les CT, blablabla, tout ça. Avec tes guenilles, hein, ton pantalon tout déchiré, dégueulasse. Hein. Allez, tiens-nous de là. Donc je vais faire le tour de l'arène là. Oh, vraiment. Ils sont fiers de leur arène, hein. Putain. Voilà. Bon, écoutez. Oh non, pas lui. Bon, ça y est, t'as le Benjamin. Ah, bien joué, bien joué. Oui, cassez deux pour pouvoir espérer devenir le prochain maître Pokémon. Mais arrête pas trop, hein, ça sera moi. Hey. Bref, allez, viens, on va à la bibliothèque. Oh, bah après, là, je... Laisse-moi finir mon épisode, en fait. C'est ici. Ok. Je ne rentrerai pas ici aujourd'hui. Il va y dormir, l'autre. Bon, allez. Sur ce, deux badges en un. Eh, deux badges en un épisode. Franchement. Plutôt fier. Il y en a 6 badges. Non, franchement, on a fait 3 aujourd'hui. Je crois. Plutôt content. Bon, sur ce, YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode, pardon, on se retrouve bientôt pour la suite de notre aventure. Allez, tchuss!